Bonjour. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, je vais baisser tout de suite la fenêtre parce que là, c'est un peu chiant ce système de fenêtre qui se répète. Toujours stream sur la même machine. Alors, du coup, aujourd'hui, stream tranquille, c'est midi, on va pas se stresser. Et je voulais faire un petit jeu. Comment dire? C'est un petit jeu. Tout le monde parle de GeoGuessr, vous avez déjà sûrement vu, pardon, d'autres personnes faire un stream dessus. Et en fait, pour moi, ça, c'est. Comment dire? C'est un peu le jeu que je trouve le plus sympa pour apprendre la géo, enfin géo, pour apprendre un petit peu la culture générale sur différentes villes, un peu dans le monde. Je sais pas si on peut appeler ça un jeu. C'est éducatif et un peu jeu en même temps, mais c'est vraiment plus éducatif. Hein. Vous allez voir, il y a des petits trucs un peu, des petits passages un peu entre guillemets rigolos dedans pour qu'on se dise qu'on est dans un jeu, mais c'est vraiment pour moi plus un produit éducatif qu'un jeu. Ah, attendez, je remets la fenêtre du stream pour voir. Ouais, hop, l'audio du jeu, c'est mieux. Alors. Donc c'est un jeu qui est sorti en 95, ça fait donc déjà un petit moment, il n'est pas tout jeune. Pour ça que moi je le lance sur DOSBox, parce que c'est une application 16 bits, donc ça marche plus depuis... Voilà. Je crois que vous pouvez les faire tourner ce genre d'application quand vous avez un Windows 32 bits sur les vieilles machines, mais autrement non quoi, ça passe pas. Donc du coup j'ai fait un DOSBox que j'ai configuré avec le jeu et ça permet d'y jouer nickel. Alors il faudrait que je voie peut-être quand même pour adapter un peu la résolution parce que normalement le jeu est en 800 par 600 mais là il est genre en full screen. Bon c'est cool parce qu'au moins on arrive à voir et puis je suis pas obligé de changer la résolution pour voir pas avoir un petit carré au milieu qui ressemble à rien. Donc ça par contre c'est cool. Sinon, voilà, en gros c'est ça. Attendez, je regarde sur le. Ah, mais attendez. Parce que sur le stream, oui, ça l'affiche en tout petit. Pourtant, je suis en plein écran. Je comprends pas. Ça met en fait bien la bonne résolution. On va faire un truc. On va faire un truc pas top. On va faire un truc. Hop là. Je vais tester voir si ça marche. Si c'est mieux. Ce sera peut-être dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok. Donc je sais ce qu'on va faire. On va faire un truc tranquille. On va faire un truc tranquille. Désolé, mais en fait sur mon écran ça ressort bien, mais forcément sur le stream ça ressort pas si bien que ça. Elle est où ma fenêtre? Elle est là. Attendez, est-ce que ça réapparaît? Ouais, ok. Alors, on va faire comme ça. Hop. Non. Bah oui, parce qu'en fait, je suis con, je suis pas sur mon Elgato. Donc ça va pas. Donc ça va pas. Attendez. On va remettre ça. S'il a envie. Sur le Elgato, ça marcherait. Yo, bah écoute, j'essaie de faire un jeu, mais en fait, je me fais chier avec la réseau. Entre la réseau du jeu et la réseau de l'écran, c'est en train de me casser les bonbons. Attends. Je vais tenter un truc. Je vais déplacer ma fenêtre et je vais tenter un truc. Waouh, ça va faire space. Attends, je vais lancer le jeu, on va voir. Des fois que ça change pendant le jeu. Ah,
Ouais, mais là c'est pire encore, putain, c'est que. Ouais, c'est pas trop mal en fait. Le jeu sera au milieu de l'écran, ça sera tout petit, hein, c'est un peu ce que je craignais. Je peux pas. Là, attends, est-ce qu'on m'entend mieux? Putain, il y a tout qui débloque là. Tac. Là, c'est peut-être mieux. Attends. Hop. Les joies quand tu passes d'une config de stream à une autre, c'est incroyable. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Parce que je veux streamer. Je veux streamer. Et surtout que j'ai commencé maintenant, donc ça fait un peu con si. Si. Tac. Alors. On va rajouter. Je sais plus écrire en français non plus. Hop, ajouter la source. Tac. Putain, attends. Oups là. On va faire comme ça. Hop. Je déteste faire les réglages en live sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais là, j'ai pas trop le choix. Tac. Est-ce que ça marche? Maintenant, on va voir. Jouer en 800, enfin mettre une réseau de 800 par 600, mais ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Est-ce que ça passe un peu mieux? Attends. Putain, mais pourquoi il me le met toujours là? Il est con, bien. Aïe, aïe, aïe. Non, alors. Osef, on va faire comme ça. Va voir si ça marche. Ouais, bon, mon écran, il n'est pas au milieu déjà, ça c'est clair. J'ai pas réglé juste. Mais Osef, c'est pas grave, on va faire comme ça. On va jouer en fenêtré. Hop. Alors. Donc. Je vais relancer. Je vais. Mettre le son, enfin me mettre le son plutôt. Hop là. Touk. Donc, comme je disais, ce petit jeu, c'est il est sorti en 95, donc ça fait un moment. Et on doit faire le tour du monde. On part d'un pays, en fait d'une destination de base, on a du fric. Et à partir de là, eh ben on doit faire le tour du monde. C'est-à-dire que, alors, je vérifie. Wikipédia est ton ami. Il y a, je crois pas qu'ils le disent, parce qu'il y a eu, il y en a eu plusieurs. Après, il y a eu un 2 et après il y a eu un 3. Il y a eu plein d'autres, mais bon, qui ont pas été top top. Et le premier, je sais pas combien il y a de destinations dedans. Ils disent pas, parce que dans le 2, ils parlent de 70 destinations différentes, il doit y avoir un peu moins. Mais en gros, faut essayer de faire le tour du monde. On a un peu d'argent et on doit voyager de ville en ville. Et à chaque fois qu'on arrive sur place, ben, l'argent qu'on a dépensé, on l'a plus. Donc ça veut dire trouver un job, répondre à des questions. En fait, voilà, c'est un peu un quiz, éducatif. Un peu géo, culturel, il y a un peu tout dedans, quoi. Pas que de la géographie. Mais alors on va lancer. Après c'est l'ambiance aussi dans
dans les jeux qui est importante, et on va se dire dans ce genre de jeu, je vérifie le son. Dans ce genre de jeu, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme ambiance? Et en fait, franchement, moi je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc qui est assez cool. Même les musiques, elles sont top. Et j'avais découvert ce jeu dans une démo, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, les démos, on achetait des CD-ROM en fait dans des tabacs, les tabacs journaux, et puis vous aviez genre des démos, des programmes dessus, puis voilà, parce qu'internet à cette époque là il y avait, mais ouais, c'était encore le modem 28.8, 33.6 ou 56k. 56k est venu bien plus tard, là on parle 95, ça fait 10, 20, 30, 30, il y a 34, non, je suis en train de dire une connerie, 95, c'est plus simple pour moi, 95 à 2005, 20, je sais plus compter, hein. 24 ans, donc il y a 24 ans, à l'époque il n'y avait pas la DSL, il n'y avait pas toutes ces conneries, la fibre, tout ça, l'ultra haut débit, ça n'existait pas. Déjà, vous faisiez une recherche sur Google, si vous aviez 50 résultats, c'était un miracle. Et encore Google, je crois pas que ça existait. À l'époque, c'était Yahoo, je crois, que j'utilisais. On avait Netscape Navigator, on n'avait pas de Firefox, on n'avait rien, quoi. Donc les démos, elles n'étaient même pas mises en ligne, quoi. Je veux dire, c'était impossible. Ça coûtait un bras et demi, plus un rein et une jambe, le prix de l'heure à Internet. C'était... Bon, on est en Suisse, hein, donc faut comparer ce qui est comparable, mais c'était 5 balles ou 7 balles de l'heure, je crois. Donc je vous imaginer quand il y a une vitesse ultra lente, ce qui est télécharger une démo ou un programme, c'était assez complexe, quoi. Donc voilà. Alors, du coup... donc on va faire un nouveau voyage. Je vais juste tac. Alors voilà. Ah oui, Suisse. Ouais, ça fait un espèce de faux passeport. Et puis ça, c'est la date du jour. Il prend la date de l'horloge interne, quoi. Tac. Temple. Voilà. Par contre, c'est sur une base de francs français, je pense, puisqu'on part de Paris, bien évidemment. Et après, dans chaque pays, puisqu'en plus, ça c'était bien avant l'euro, dans chaque pays, il y a un taux de change. Bon, c'est à peu près approximatif, hein, voilà, mais je veux dire, il y a un taux de change et on a la monnaie du pays, ce qui fait qu'on se retrouve dans les pays où on a genre 1 million, et puis on se dit, ah putain, mais en fait, que dalle, quoi, parce que ça vaut 3 fois rien. Et puis il y a toujours un petit message, maintenant, on est tout ordinateur tout plus rapide, le message est instantané. Mais voilà, il y a cette ambiance, c'est sur des fonds inanimés, en fait c'est des simples images à temps, il y a des petites animations, il y a des transformations. Et il y a cette ambiance derrière toujours avec ces fonds sonores. Vous verrez dans les villes, c'est la même chose. Il y a toujours un fond sonore, un truc. Ça se tourne en boucle, hein, mais c'est génial parce que il n'y a rien d'animé pratiquement. Et on a cette ambiance. Et en fonction des langues du pays, là, vous avez une ambiance de ville, une ambiance d'aéroport différente, des images différentes, des accents et des langues différentes. Donc c'est le plus service. Assez long. D'accord, en fait, on est dans l'aéroport et on doit choisir une première destination. Alors, les stand-by, en général, c'est les moins chers. Voilà. Ça, c'est le prix du vol. Et en dessous, c'est le sol qu'on a sur la carte. Après, on peut avoir des infos. Voilà. Une petite musique, en rapport toujours avec le pays. Et les infos du pays. Et puis après, il y a différentes villes parce qu'on peut, voyager dans plusieurs villes dans un même pays. Et là, on parle
Londres, donc capitale Londres. Un peu les à retrouver du travail sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord ou encore parmi les activités culturelles du cœur. Il y a des lettres qui peuvent manquer, du cœur de Londres, salaire élevé, liaison aérienne fréquente, voilà. L'appareil. Au hasard. Joseph, de toute façon, je suis trop mauvais en géographie. Panesthétique. Désolé, mais je profite, c'est la pause. Je monte en même temps, donc c'est des fois, je peux plus les plus. Là on arrive dans le pays, on a plein d'icônes. Le premier c'est de trouver un hôtel pour se loger. Voilà, puis là on a par exemple des points essentiels en termes de culture de la ville. J'explique un petit peu. Ah voilà. Bon alors les noms d'hôtels, tout ça, je pense que c'était un peu inventé. À mon avis, il n'y a pas de partenariat. Alors, hôtel ancien bien situé dans son truc. Alors, on s'enregistre. Et voilà. Avant de remplir votre fiche d'hôtel, continuez de tester vos connaissances sur la ville de Rome, sur l'Italie. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, c'est là où le jeu commence. Il y a des questions global sur la ville, et puis après je crois qu'il y a une carte où il faut mettre un peu les points de la ville, et selon le résultat en fait de réponse aux questions, ça permettra de trouver certains travails. C'est à dire que je crois que par exemple pour travailler dans tout ce qui est culture, etc. Après selon les pays, on peut être vite embêté si on n'a pas les bonnes réponses, parce que ça quand il y a des plus gros jobs dans la culture, c'est embêtant, mais du coup c'est ça qui détermine quel travail on peut trouver. Alors on va tester. Arrivederci. Alors que dit la femme sur la photo? Alors là ça a été rapide, donc vous avez le petit bouton, vous pouvez répéter. Arrivederci. Je pense qu'en tout bon touriste que je suis, de toute façon, je me ferai taper par madame. Mais c'est pas grave. Je pense qu'elle dit au revoir. Voilà. Et là, vous avez un son différent en fonction de si vous répondez juste ou faux. Prochaine question. Alors, le titre de pape est attribué à l'évêque de Rome, le chef de l'église catholique romaine. Dans quel pays le pape Jean-Paul II est-il originaire? J'en ai absolument aucune idée. J'ai dit je suis nul. Culture générale, c'est pas trop mon truc. Ah bah tiens, j'avais raison. Pologne. Alors, la photo montre le pont des Soupirs qui date de la fin du XVIe siècle. Les prisonniers étaient transportés sur ce pont du palais des Doges à la prison, d'où le nom de ce pont. Quelle ville se trouve le pont des Soupirs? Je n'en ai aucune idée. Je pourrais aller regarder sur Google ou Wikipédia, mais c'est pas le but de la manœuvre. Allez, j'ai envie de dire un truc connu. Ou Rome, ou Florence, ou Venise. Oh, mais je suis trop fort. J'y connais rien du tout. Ça le pire. Alors, on continue. Alors, dans quelle ville vous trouvez-vous lorsque vous avez cette vue? J'ai envie de dire Venise.
Non, faux. Vous êtes assis sur l'immense cathédrale Santa Maria de. Bref, hein. Construite au XIVe siècle, à gauche, machin. Ok, d'accord. Je vais pas prononcer les noms. Sinon, ça va pas le faire. Alors. Trajan. 53, 117 après Jésus-Christ, empereur romain qui se fit connaître comme excellent chef de guerre. La colonne Trajane est une colonne de marbre d'environ 40 mètres de hauteur qui s'élève sur le forum de Trajan à Rome. La colonne fut couronnée d'origine par une statue de Trajan, mais fut remplacée au XVIe siècle par une statue représentant un apôtre. Quel est l'apôtre représenté sur la colonne Trajane? Alors j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. Au hasard. Judas, non. La statue de Saint-Pierre. D'accord. Ben, ça commence bien. Yo, comment tu vas? Bah, tu vois, c'est sur l'Italie, là. J'ai plein de questions sur l'Italie. Donc, regarde. Juge-moi si tu veux. Je n'y connais absolument rien. Si tu peux t'amuser. Oh, bah, regarde, ça va être la meilleure partie. Je connais rien du tout. Alors, là, donc, c'est la carte. Et on doit replacer. Il y a des noms de villes qui vont apparaître. On a un certain temps. Une minute, et on doit mettre les noms de villes sur les bons endroits. On va rigoler. Alors, la Sardaigne, putain, je suis une quiche. Ok. D'accord, ça commence bien. Oui. Remarquerai que je fais toujours tout au même endroit, et puis en fait, quand je passe à un autre. Ou alors là, il y a des villes par contre. Aucune idée. Tu rigoles pas, hein. Voilà. Je sais déjà plus. Voilà. Sicile en Sardaigne, pourquoi pas, hein. Et voilà. J'ai réussi la carte. Donc là, je devrais être pas trop mal. Ah, vite, il y a une réponse très bonne. Ce qui veut dire qu'en fait, là, les réponses étaient plutôt bonnes. Et maintenant, on peut. Alors, déjà, je vais sauvegarder. Là, je peux terminer, arrêter, enfin, on va sauvegarder. Après, il y a le téléphone. Mais ça, c'est vraiment si on tombe. Rate de thunes, on peut appeler sa famille pour avoir un peu d'argent. Si ça marche, alors on sort et on va essayer de trouver. Voilà, celle-là. On va essayer de trouver un travail. Archéologue, historicien, historien, technicien. Ouais, historien technique. Ouvreur de cinéma, dessinateur, voilà, pour les architectes, ouvreur de cinéma, allez, on va voir. Mais il faut encore réussir les questions et le test pour gagner de l'argent. Parce que si ça se trouve et qu'on répond mal, non seulement on se fait virer, mais en plus on a perdu de l'argent. Parce que vous allez voir, à chaque question, il y a de l'argent qui part, entre guillemets, et après, si on répond juste, on gagne, on regagne ce qu'on avait et on en gagne un peu plus. Voilà, là, il y a de l'argent. Qui jouait le rôle de Frankenstein? Mais non, quoi, je me suis lancé. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Allez. Le mec, Osef, quoi. Boris Karloff. Ok, bon. Alors là, on peut terminer le travail si vraiment on en a plein le cul, à savoir que bah après c'est grillé. Sinon, prochain exercice. Acteur connu.
petit grain de beauté, j'ai envie de dire. Une petite soupe. Ah, magnifique. Magnifique. Comment s'appelle cet acteur américain du début du siècle, héros de nombreux films d'aventure? Pouah. J'en ai aucune idée. On va tenter au hasard. Douglas Fairbanks, Junior. Ok. Cette actrice américaine a été l'interprète, pardon, inoubliable de My Fair Lady. Pouah, 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 pouah. C'était vraiment au pifomètre. Une photo nous montre l'actrice américaine Betty Grable. Pour quelle raison Betty Grable était surtout connue? J'ai envie de dire ses jambes. Voilà. De toute façon, hein, à cette époque-là, c'était souvent pour ce genre de choses, malheureusement. Alors, dans lequel, en fait, de ces films, James Stewart jouait-il le rôle principal? J'en ai aucune idée. Allez, au hasard, non, la corde. Hitchcock, ouais, je connais pas Hitchcock. En tout cas, à part un ou deux. Quelle est cette actrice? Je crois pas que ce soit de nouveau Audrey Hepburn. Aucune idée. Au hasard. Ingrid Bergman. Quel est le film de... Ouh, Bernardo. Non, je vais pas prononcer, désolé Raphaël, parce que sinon je vais prononcer comme une merde. Qui retrace le destin de deux familles socialement opposées en Italie à travers notre siècle. Mussolini, non, je pense pas. Est-ce que ça te dit quelque chose? Un film qui retrace le destin de deux familles socialement opposées en Italie, donc j'imagine des riches et des pauvres, malheureusement, hein, je sais pas d'autres mots, à travers notre siècle. Il faut se dire que c'était il y a 20 ans en arrière. Moi, j'ai aucune idée. C'est la honte. Allez, je tente. 1900. Bon. Alors, lorsque je suis bonne, je suis très bonne, mais quand je suis mauvaise, alors je suis encore meilleure. Qui est cette tyrannie? Oh, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Encore quand il y a des QCM, ça va parce qu'on a une chance, mais là. Clavier. Osef, quoi. Après avoir réalisé des débuts remarqués en Pologne, il continue sa carrière en Angleterre puis Hollywood avec des films comme La Nuit des Vampires, Rosemary Baby et Tess. Oh putain, encore un truc avec des noms à mettre. Toujours 60 secondes. Alors, je suis du cinéma. Il faut mettre. Ok. La grande illusion. Ok. Citizen Kane. La grande illusion. La ruée vers l'or. Il est où la ruée vers l'or? Ah là. Putain, je suis con. Dernier des hommes. Ok. Cabinet du docteur machin. Les rapaces. Dernier des hommes. Ok. Passion de Jeanne d'Arc. La terre. Hein? Intolérance. Les rapaces. La mer. Oh putain. Dernier des hommes. J'ai oublié.
Oui, vers l'or. Le voleur de bicyclette. Il a été même pas sorti. Alors, travail terminé. Je sais même pas si j'ai gagné de l'argent. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous garder. Habilité 45. Ouais, si on est vraiment bon, on arrive à genre avoir un diplôme. Donc on peut travailler dans ce domaine. Sauvegarder. Sortir. Alors maintenant. Et on est déjà à 30 octobre. On est parti de 15. Donc on va lancer le plein encore. Madrid d'est en ouest est bordée d'hôtels, de commerces, de cinéma, de bars et de cafés. Quelle est la longueur de la rue? Si elle divise Madrid d'est en ouest, bordée d'hôtels et de commerces. Ah, presque. On va pas faire 800 mètres, quoi. C'est pas possible. Au temps des perpétuelles guerres d'Espagne du Moyen-Âge, on créa un certain nombre de royaumes chrétiens vers l'an 1000. Contre quel peuple les chrétiens d'Espagne étaient-ils en guerre au 11e siècle? J'en ai aucune idée. Mais alors, aucune idée. J'ai envie de dire un truc au hasard. Les morisques. Ok. Bah, j'ai pas pris un gros risque sur cette question. Ok, c'était nul. La grande place du marché Plaza Mayor fut construite pendant la période appelée Madrid des Autrichiens. Au milieu du 19e siècle, on érigea une statue de cavalier. Quel personnage à statue de cavalier sur la place Mayor représente-t-elle? Waouh. Franco? Non. Philippe III. Bon. L'Espagne a été pendant longtemps une dictature fasciste, mais est devenue une monarchie en 1975. Comment s'appelait le dictateur fasciste espagnol? Bah, lui, c'était Franco, voilà. Oui, donc ils n'allaient pas mettre une statue. Quel symbole apparaissant sur les voitures espagnoles? Aujourd'hui, c'est E. Mais je crois que c'est toujours la même chose. Oh putain, la carte de l'Espagne maintenant. Mais oh. Au bol. Saragosse. Séville, ouais, non, c'est au sud. Barcelone. Madrid. Bien. Ah, Valence. Bilbao. Séville. Non, c'était là. Oh, je suis une merde. La géo, c'est pas mon truc. C'est pour ça que j'ai pas fait des longues études. Trop putain. Saragosse. Voilà. Tac. Thank you.
regarder. Trop des trucs, c'est toujours des mêmes icônes. Des gens. Work section. Work section 1.2. Bah oui, c'est sur un tableau d'affichage. Artiste recherche. Artiste mobile. Ah oui. Ah bah oui. Ça me parle déjà un peu mieux, ça. Quel artiste français qui en 1958 fut remarqué pour son exposition ayant pour thème le vide? Une galerie d'art vide et peinte en blanc. What? Ouh, alors ça. Paul Klee. Yves Klein, ok. Ce tableau de l'artiste espagnol Francisco de Goya s'intitule Maya habillée. Comment s'appelle l'autre tableau aussi fameux représentant le même modèle? Ah. La Maya. Je crois que c'est ça. Ouais. Évidemment. À quel style appartient ce tableau? Ah, ça c'est du. J'ai envie de dire une. Pop art? Non, optique art. Quel artiste célèbre déclara qu'il mangerait sa femme après qu'elle soit morte? Ah, Salvador Dali. Avec sa belle moustache. Quel auteur de ce dessin classique faisait partie du matériel expédié dans l'espace en 1977 avec les fusées voyageurs 1 et 2? Ah ben. Leonardo. DiCaprio? Non. Leonardo. Ah si. Bien connu. Comment il s'appelle? Famille d'acrobates avec singe, tableau peint par un artiste célèbre qui a son nom. Bah, Pablo Picasso. Audrey Beardsley, dessinateur et illustrateur anglais, mourut à l'âge de 26 ans. En quelle année mourut Audrey Beardsley? Alors ça par contre, ça doit pas être si vieux. Ah ouais, ça, c'est vieux. Ce tableau est plus communément connu sous le nom de Mona Lisa. Quel est son véritable nom? Bah là je compte. La majorité des quelques tableaux produits par ce peintre hollandais représente une pièce éclairée d'une lumière pénétrant du côté gauche où une femme est occupée à des travaux ménagers. Qui est cet artiste? C'est Rembrandt, non? Non. Celle-là, après, certaines peintures comme ça, je maîtrise pas. Enfin, je maîtrise pas. Je connais pas pourquoi. Quel est cet homme? Bon, alors ça. Connu pour des images en présentant des poubelles, des paquets de lessive, des stars de cinéma, des accidents de voiture. Andy Warhol. Sérieux, putain, j'arrive même pas à reconnaître. Ah, putain, c'est le film. Des films à remettre. Et là, c'est drôle parce que. On doit peindre. Alors, on va choisir. Je vais prendre quoi? La vache? Ouais, allez la vache. Ah, c'est son. Je sais pas si vous entendez bien. On dirait une bonne diarrhée. Bref. Alors, là, on va déjà faire le fond noir. Hein, parce qu'il y a un fond noir. J'ai été trop loin, mais c'est pas grave. Là par contre, il n'y a pas de temps limite. Hein. Encore heureux, hein. Je suis un artiste. Je fais en fonction de mon humeur, de mes envies. Mais je ne veux pas faire durer ça non plus dans le stream pendant 107 ans, parce que ça va être compliqué.
À peu près. Voilà. On a un fond noir, là. Parce que c'est important de mettre la première couleur. Ensuite, on a la vôtre. Alors là, la vôtre. Dessine quand même vachement mieux en vrai, ça me fait peur. Ça va, c'est pas trop mal. Hein. Là, là, une petite mèche rebelle. Putain, mais dessiner à la souris, quoi. Cette torture. Pareil, là, on va essayer de remplir un peu. C'est génial ce jeu, en fait, de la culture générale, de la géo et du dessin. Putain, j'ai débordé. Je déborde toujours. Donc, t'as de la couleur. Oh, puis pas d'esprit tordu. Hein. Hop là. Ah, elle est pas trop mal, ma vache. Oh la vache. Ça, il y a les petites oreilles là. Les petites oreilles. Attends, j'ai hâte de voir si ce dessin va me rapporter quelque chose. Parce que oui, en plus, ça, c'est censé rapporter de l'argent. J'ai oublié le ciel là, d'ailleurs. J'aurais dû le faire avant. Je suis une merde. C'est pas grave, après je peux repasser un peu dessus, c'est juste le contour. Ouais, c'est un peu long, je sais. Je repasse le brun quand même. Là où j'ai débordé avec le bleu. Putain, il n'y a même pas de blanc en fait. On va faire un petit œil là aussi. Un trou de nez. Un plus petit ici. On a une vache. Oh, magnifique. Franchement. Allez, on va voir la note que j'ai. Enfin, les sous. Et est-ce que je suis... On reprendra la prochaine fois. Juste voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Voilà.
ici, il y a une salle où normalement on a un récap des pays qu'on a vus. Enfin, il y a des trucs qu'on peut. Mais comme on n'a pas encore fini une fois officiellement le jeu, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Tant qu'on n'a pas vraiment fini une fois le jeu. Rien faire. On va sortir. Voilà. Bon, ben c'est pas mal. Ça fait un petit épisode vite fait, un petit stream pour montrer le jeu. J'adore ce jeu, donc je pense que je ferai la suite. On verra si j'arrive, mais j'y crois pas trop à faire le tour du monde, le tour complet du jeu. Mais j'y crois pas trop. On verra bien. Sur ce, bon après-midi à tous. Et puis on verra le prochain stream quand il aura lieu. Les streams de midi, c'est quand j'ai le temps. J'essaye d'en faire un. Mais c'est surtout les streams du week-end. Là, normalement, dimanche et lundi, avec mon pote Alboita, là on stream. Et le reste, j'arrive pas à faire un planning précis. Donc, si vous voyez la notif, vous venez, on est jeté un œil, y a pas de souci. Donc voilà. Hop. Je vais.